Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi férié et ce matin je me suis levée très inspirée par le fait de travailler un jour férié. Non, je me suis réveillée avec l'envie de créer des bijoux, de... Hier soir, je me suis couchée un peu tard, j'ai regardé Pinterest et très inspirée par les fleurs, par les bijoux, par cet univers-là que j'aime bien. Du coup, ben, je me suis installée j'ai sorti tout mon matériel de bijoux, mes fils, bref. Je vous ai fait une petite intro que je vais vous montrer juste après, enfin une intro. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai en termes de matériel pour faire les bijoux. Je vais vous montrer aussi les bijoux qui m'inspirent sur mon téléphone. Et voilà, on va commencer une semaine doucement avec un petit peu... alors je me suis réveillée comme ça, si j'ai mis un petit peu d'anti-cernes parce que quand même j'avais des cernes un peu bouffies. Il paraît que ce printemps été, c'est la mode du nude, la couleur nude, blanche, voilà. Et il y a également dans toute cette mode de la maille, bien sûr. Et je vais faire quelques ouvrages, bah, comme je vous ai déjà dit. En couleur écrue, crème. Et je voulais un petit peu vous parler des fils que vous pouvez utiliser. Alors, je dirais pas que... Enfin, je sais, moi, la mode est moi. je ne suis pas quelqu'un qui suit forcément la mode. Donc, je vous ai sélectionné des fils qui vont totalement dans cet esprit dentelle, couleur crème, nude, on peut appeler ça comme on veut, blanc. Je vous en ai sélectionné deux en fait. Vous avez la Amanda 5. La Amanda 5, c'est un fil qui est de 100% coton et qui est un fil mercerisé. Regardez, vous voyez, le fil brille. Pour moi, ce fil-là, c'est vraiment le fil par excellence de tout ce qui est dentelle, voilà, pour travailler la dentelle. C'est un fil solide qui se travaille en 2, 2,5. Même 1,5, vous pouvez, mais bon, après. Vous avez celle-ci qui est moins connue que je n'ai pas encore utilisé, qui s'appelle la Tech Coton. La Tech Coton, alors celle-là elle est blanche en crème beige et en crème, voilà, blanc, crème et plutôt beige. Vous savez, là vous avez trois teintes différentes. Et celle-ci, c'est vraiment une pépite. Vraiment, c'est vraiment une pépite. Pourquoi? Parce que déjà, alors c'est pas du coton, c'est de l'acrylique, 100% acrylique. C'est super léger. Regardez. Hop. Super léger, super fin. Et je vais vous dire, la pelote elle pèse 50 grammes et mesure 200 mètres. 200 mètres de fil, c'est super bien. Et je crois en plus que le prix est super abordable. Accrocheté entre, avec des crochets entre 2 et 3, je dirais, pour l'avoir essayé, 2 c'est bien. Parce que 3, bon après ça dépend de ce que vous avez envie d'obtenir. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus relâché... Vous pouvez aller jusqu'à 3, 3,5 bien sûr. Hein. Mais la dentelle se crochette serré, enfin à mon sens. Comme
D'ailleurs, j'ai bien avancé mon gilet. Je vais vous le montrer. J'ai bien bien avancé et j'ai envie de me faire un gilet long. C'est aussi la mode des gilets longs, des choses comme ça. Alors j'ai vu un commentaire qui me disait que qu'il verrait bien sans manches, mais moi j'ai envie de lui faire des petits manches trois quarts, comme ça tout en dentelle. Je vous assure, ça va pas être compliqué à faire. Je vais pas me lancer dans un truc très compliqué. C'est des granits dentelles que vous allez. J'ai commencé. Attendez, on est lundi matin et j'ai commencé. Quand j'ai terminé mon sac McQueen, vendredi. J'ai commencé vendredi, samedi, dimanche. J'ai pas crocheté beaucoup parce que c'était le week-end. Donc, et j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 granits. Voilà la pièce. 14 granits. Ça va très vite et c'est très agréable à faire. Alors je pensais que j'allais me lancer dans quelque chose qui allait m'ennuyer et que j'allais devoir avoir un autre ouvrage à côté pour compenser. Moi ça je le fais souvent. Vu que j'ai une chaîne YouTube, je dois terminer mes ouvrages. Mais sinon je pense que j'en aurai plein et que je finirai peut-être jamais. Donc la chaîne me sauve quelque part pour ça. Mais non, c'est quand même sympa d'avoir son ouvrage fini, de le mettre, de l'essayer, de voilà. Mais voilà, ouais, c'est super agréable à faire. Je sais pas, c'est pas un granit qui est ennuyeux. Et en plus, je pense que le fait de le... En fait, vous allez devoir l'assembler au fur et à mesure. Donc le fait de l'assembler au fur et à mesure, vous voyez votre pièce s'agrandir, s'agrandir. Je vous ferai des schémas, des petites choses comme ça. Dans le tuto je vous expliquerai tout ça. Et ben justement, en parlant de tuto dentelle, enfin ouvrage un petit peu bohème, un petit peu voilà, j'ai celui-ci que j'avais fait l'année dernière je crois, et du coup je me suis dit bah tiens, ce serait sympa de vous faire comme un, pas un défilé mais un désir, enfin comment moi je par exemple j'accorderai ce genre de haut avec le reste de mes vêtements, comment j'assemble mes vêtements quand je vais sortir. Et du coup je vous ai fait une petite vidéo, je vais vous la mettre juste après. C'est juste pour vous donner des idées de tenue, voilà, tout simplement, que vous pouvez obtenir avec vos ouvrages au crochet. Et vos sacs aussi, parce que vous pouvez tout... ça dépend, enfin c'est un équilibre. Pas s'habiller, enfin quoique, s'habiller tout en crochet, c'est sympa aussi. Mais bon, c'est les goûts quoi. Je vais vous laisser, je vais commencer à... Enfin je vais continuer mon gilet. J'ai trop hâte de le voir terminé et de le porter. Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui va aller avec tout. Et je suis pressée de voir le résultat surtout. Et d'ailleurs, je vous conseille... Enfin, on va utiliser un des cotons. Ou peut-être... Non, j'avais commencé avec la Drake. La Drake, parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu costaud. La Drake aussi, c'est un fil que vous pouvez, enfin, qui est parfait pour la saison, enfin pour faire des ouvrages comme ça en dentelle, surtout les ouvrages portés, parce qu'elle est, elle est pas super fine et elle est encore assez fine pour qu'elle reste légère. Du coup. C'est rapide à travailler, sauf qu'elle se dédouble un petit peu, donc faites attention. La Donny aussi. Je vous ai pas montré tout, mais on a le temps. On a le temps dans ce vlog. Et pour l'instant, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
nous sommes vendredi et je me suis plongée dans les bijoux et j'ai fait ces petites boucles d'oreilles. J'ai envie de faire une parure, boucles d'oreilles et bracelets pour les publier demain. Comme ça, vous aurez un tuto un petit peu léger. Alors, je sais pas si vous savez, mais j'aime beaucoup les boucles d'oreilles très délicates, avec des fils fins. Et donc, je me suis pris un petit peu la tête pour voir quelle était la façon la plus facile à m'y donner le maillage, c'est-à-dire l'endurcir. Et j'ai trouvé une colle à tissu. Je vais vous donner la recette dans ce vlog. Et du coup, je trouve que ça les rend... Enfin, c'est solide. On n'a pas besoin de cacher les fils. Ça facilite énormément le travail de la confection du bijou, je trouve. Et donc, je vous en ai fait une parure. Je pense que je vais en faire d'autres sur la chaîne. Voilà, comme ça vous aurez des petits tutos entre des grands ouvrages de bijoux. Simple à faire, facile et rapide. sinon, j'ai bien avancé le gilet dentelle. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que je ne vais pas le publier tout de suite. J'adore faire ça, ça me détend énormément. Et surtout, j'ai hâte de voir le rendu. Thank you.
Sinon, aujourd'hui, je dois aller chercher un colis. Je me suis acheté des paniers, des choses un petit peu en osier sur Vinted pour pouvoir ranger mes pelotes parce que je commence à en avoir pas mal. Et j'aime bien... alors, j'ai pris un landau de jouets tout en osier et en bois. J'ai hâte d'aller... Faut que j'aille le chercher dans un point relais. Et j'ai hâte de le recevoir pour voir ce que ça donne. Alors c'est bien parce qu'il y a des petites roulettes dessus. Et je pense que ça peut être pratique pour ranger toutes les affaires, enfin surtout les pelotes et les ouvrages que je suis en train de crocheter. Et de les avoir à portée de main dans un truc un peu sympa. J'aime bien de temps en temps regarder sur Vinted les paniers en osier, les choses comme ça pour décorer. Je trouve que ça va bien avec le crochet, c'est assez sympa. Sinon, eh bien, il fait pas très beau, donc en intro de ce vlog, je me demande bien ce que je vais pouvoir filmer. Il a plu tous ces jours-là, et je dois aller marcher pour aller à mon point relais sous la pluie. J'ai pas très envie, je suis pas enchantée. Mais bon, faut bien que je récupère mon colis. Et ce week-end, ben, je vais pas mal travailler quand même. Je vais pas pouvoir faire de pause. J'ai encore le bracelet qui va aller avec les boucles d'oreilles à filmer et à faire. J'ai tous mes montages et toutes mes photos à faire. Je dis toutes mes parce que je vais devoir monter le vlog, faire la vignette. Et j'ai... Ben, le montage de la parure pour lundi et tout ça. Donc ce week-end je vais travailler, alors j'espère qu'il va pas faire beau parce que sinon ça va pas me donner trop envie, ça va plutôt me donner envie de sortir. Mais bon, vu comment est le temps, je vais pas regarder la météo, vu comment est le temps en ce moment là, je croise les doigts pour qu'il fasse pas beau. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, vous aura inspiré. Je ne sais pas combien de temps il fera, parce que combien de minutes il fera, puisque je ne l'ai pas encore monté. Mais je vais l'arrêter ici, car j'ai pas mal de choses à faire. J'espère qu'il vous a plu. Et puis je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Je fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine à venir et un bon crochet. Ciao, ciao !